Bonjour et bienvenue à la Maison française virtuelle de Columbia. Je m'appelle Shani Pierre et je suis la directrice de la Maison française. Et je suis très contente de vous souhaiter tous et toutes la bienvenue à cette discussion aujourd'hui autour de Fatkiné, un film de Ousmane Sandène qui est sorti en 2001. Et nous allons y arriver dans une minute. Je vous signale que nous mettons aussi le film à votre disposition en ligne jusqu'à samedi. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, on va mettre le lien dans le chat pour vous inscrire, pour pouvoir regarder le film. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres anglais, donc il faut pouvoir suivre en français. Mais je vous encourage à le voir. Vous aurez envie après cette discussion si vous ne l'avez pas encore vu. Mais avant de commencer, je voulais simplement dire que la Maison française et le département de français reconnaissent les demandes des étudiants qui sont actuellement en grève à Columbia. Nous avions déjà organisé et annoncé 3 événements d'envergure internationale avec des participants à l'étranger, donc aujourd'hui, vendredi et lundi, que nous n'avons pas pu déplacer à une autre plateforme. En plus, les débats portent sur des sujets de grande importance, y compris pour les doctorants. En particulier, demain, nous avons une discussion autour du rapport de Benjamin Stora sur la mémoire française de la guerre d'Algérie. Et lundi, une discussion sur la controverse actuelle en France autour du soi-disant islamo-gauchisme. Mais nous tenons quand même à marquer notre respect pour le piquet de grève et nous vous indiquons dans le chat le site web si vous souhaitez en savoir plus. Donc, je vais présenter nos intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai le très grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui une invitée spéciale, Mariama Samba Baldé. Mariama a de multiples talents et, entre autres choses, elle est actrice. Elle a joué un rôle dans Fatkiné et puis dans d'autres films d'Ousmane Sandène. Elle a également fait un mémoire de maîtrise sur l'œuvre d'Ousmane Sandène avant de faire un doctorat en littérature française et francophone. Mariama Samba Baldé est aussi poète et auteure et elle est la fondatrice de Paroles Tissées Éditions et de Vibramonde, une plateforme de réflexion sur la rencontre et le métissage. Nous vous mettons aussi les liens pour ces deux sites web dans le chat. Nous avons aussi de nouveau notre cher collègue Suleyman Bachir Diagne. Il est professeur de philosophie et de français à l'Université Columbia et il est spécialiste, entre autres choses, de la philosophie africaine, islamique et française et de la littérature africaine. Comme Mariama, Bachir est également copatriote d'Ousmane Sandène puisque tous les trois ont des racines sénégalaises. Troisièmement, nous avons Nora Philippe qui va jouer le rôle de modératrice dans la discussion et j'espère qu'elle va aussi partager ses commentaires sur ce film et sur l'œuvre de Sandène Ousmane. Nora est une très bonne amie de la Maison française puisqu'elle a déjà organisé 3 festivals de films à la Maison française et nous espérons qu'elle pourra de nouveau revenir et projeter des films et inviter des réalisateurs quand c'est possible de le faire à Columbia. Nora réalise également ses propres films, dont un très beau film qui s'appelle Like Dolls I'll Rise, et elle est en train de finir un film sur la restitution des œuvres d'art africaines en Afrique. Donc, merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Si vous, dans le public, si vous désirez poser une question, vous pouvez le mettre dans le Q&A en français ou en anglais et nous allons réserver quelques minutes à la fin de la discussion pour vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shani, de cette présentation, de cette introduction. Et je me réjouis beaucoup de retrouver la Maison française, en l'occurrence depuis Paris, et de pouvoir m'entretenir donc, avec Mariama Sambé Baldé et donc, Suleyman Bachir Diagne, que nous retrouvons après une semaine, après la séance qui était consacrée donc, à Paulin Soumanou Vera. Alors, nous allons donc ce soir parler de et autour de le long métrage, l'avant-dernier long métrage de fiction donc d'Ousmane Sandène qu'il a réalisé en 2000, qui s'intitule donc Fatkiné,
Et ce film, Ousmane Sembène le tourne lorsqu'il a 78 ans, et il s'inscrit dans une temporalité, dans une histoire, de manière assez explicite. Le scénario s'attarde, donc encore une fois, de manière très, je dirais, discursive, sur des dates charnières qui correspondent donc au parcours de la protagoniste, qui est cette, dans les termes de Ousmane Sembène, cette héroïne du quotidien qui naît et qui vit avec deux autres femmes, deux autres générations, on y reviendra, Mamie, donc sa mère, et Abby, sa fille, que Mariama Samba Baldé, ici présente, incarnée sur le plateau et incarne dans le film. Et donc, ma première question va vous être adressée à vous deux. Je voudrais peut-être d'abord, dans sa première partie, une réponse de Bachir et puis ensuite de Mariama. La première partie de ma question serait une demande d'éclairage sur ces dates. Ces dates qui sont dites dans le film, c'est 1960, tout ça est entre guillemets fictif, hein, c'est le personnage de Kiné qui naît en 1960. Elle passe son bac et on y reviendra, un événement majeur dans son existence a lieu en 81, donc là aussi il me semble date importante dans l'histoire du Sénégal. Et enfin le tournage a lieu en 2000, mais la diégèse aussi, c'est-à-dire que l'histoire se passe en l'an 2000, si je puis dire. Donc peut-être que je vais demander à Bachir des éclairages sur les dates de 1960 et 1981 et des éclairages comme elle l'entend, subjectif ou autre, sur l'année 2000 de la part de Mariama. Voilà, je vous passe la parole. Merci bien, Nora. C'est tout à fait vrai que les dates sont importantes dans ce film. Les dates sont importantes de manière générale dans le cinéma de Sembène Ousmane. Je me souviens, alors j'essayais de... Au moment où vous étiez en train de poser la question, je me demandais dans quel film est-ce qu'une femme dit à un gamin qui est en train de mendier dans la rue, tu as l'âge de nos indépendances. Ça va me revenir, ou Mariama aura peut-être la réponse tout à l'heure, mais en tout cas, je dis cela parce que 1960, c'est précisément cela. C'est la date de la plupart des indépendances africaines. Il y a eu déjà, alors le bal des indépendances a été ouvert en 1957 avec l'indépendance du Ghana. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, on peut même dire un an plus tôt si on regarde le nord du continent avec les indépendances du Maroc, de la Tunisie, etc. Mais la grande masse des indépendances, c'est la date de 1960. Et dans le cinéma de Sembène Ousmane, il y a toujours l'importance symbolique de cette date. Ce n'est pas par hasard, évidemment, que Fatou Kiné naît avec l'indépendance. C'est une femme des indépendances, de l'indépendance, et à plusieurs titres d'ailleurs. C'est une femme qui va également conquérir son indépendance personnelle, mais on en parlera de cela. 1981, c'est le premier grand changement politique qui intervient au Sénégal, parce que le père de l'indépendance, si on accorde ce titre à Léopold Sédar Senghor, s'en va et est remplacé par Abdou Diouf. Alors, c'est important sur le plan socio-économique aussi, c'est un tournant, ça représente un tournant. La présidence d'Abdou Diouf correspond à la période dite des ajustements structurels, une période sur le plan socio-économique relativement dure. Et le symbolisme de l'an 2000, évidemment, est également important. D'abord, c'est le tournant du millénaire. Et puis, les Sénégalais avaient été habitués à attendre un petit peu le moment de l'abondance de cette année 2000. C'était le discours de Senghor. Senghor disait toujours, faisait toujours une projection concernant le Sénégal de l'an 2000. Ça, c'est beaucoup de gens de ma génération qui ont grandi un peu comme Fatou Kiné autour de cette année des indépendances, avait l'habitude de penser à cet an 2000 comme une sorte de projection du président poète Senghor pour ce que devait être l'avenir du Sénégal. Et à l'intérieur du film, d'ailleurs, il y a ces marqueurs temporels.
On entend, alors, un des musiciens dans le film, une des musiques, c'est la musique de Youssou N'Dour. On entend au moins deux ou trois, je ne me souviens plus exactement du nombre, chansons de Youssou N'Dour, dont en particulier une chanson qui célèbre l'année 1998 comme étant une année de football pour le Sénégal. Et ça, c'est important parce que cette musique-là venait de sortir à ce moment, au moment où ils étaient en train de filmer, certainement. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur les dates qui sont présentes dans le film et qui marquent un petit peu le rythme de ce film. Merci beaucoup. Ariama, alors vous n'avez pas l'âge des indépendances du tout, vous avez plutôt l'âge d'Abby, du personnage, donc de la fille de Kiné dans le film que vous incarnez, peut-être quelques années de plus. Elle est censée avoir quoi, 18-19 ans dans le film. Et en même temps, vous-même, vous aviez un parcours qui avait quelque chose d'un petit peu similaire, ou en tout cas similaire aux projections qu'a Abby en termes d'études. Parce que vous, bon, je vous laisse détailler. Projection en termes d'études, je pense que c'est également la projection de toute une jeunesse, africaine d'ailleurs, pas tout simplement sénégalaise. Si on en revient à mon cas, moi je rêvais à l'époque de faire des études cinématographiques que je ne pouvais pas faire à Dakar, qui n'existait tout simplement pas à l'université où je poursuivais des études de lettres modernes. Donc, c'est vrai que j'avais en moi ce désir d'aller faire des études comme Abby à l'extérieur pour pouvoir faire le cinéma que j'avais dans la tête. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que, comme dans Fat Kiné, j'ai joué le rôle d'Abby, mais j'ai également joué le rôle de l'actrice principale dans les flashbacks quand elle était jeune. Il y a une scène où j'ai mes deux enfants, on s'assied à la plage et j'ai un livre, c'était un livre sur le cinéma de Cassavetes. Donc, j'avais la tête pleine de lectures de cinéma, de critiques de cinéma, etc. Et donc, pour en revenir à ce désir d'aller faire des études à l'extérieur, je pense qu'aussi, Simben, pour toute son œuvre, que ce soit littéraire ou cinématographique, il avait ce désir de montrer une Afrique en dehors des représentations caricaturales. Et je pense que Abby et Dib, parce que si Abby voulait aller au Canada, Dib porte ce projet d'aller dans les universités européennes avec ses camarades et revenir ensuite œuvrer pour le Sénégal. Et je pense que ça n'a rien à voir avec ces images d'immigrés qu'on peut voir ici en Europe ou en Occident en général. Abby et Dip habitent dans une maison confortable qui sent la bonne cuisine. Et je pense qu'ils ont juste cette envie, comme beaucoup de jeunes, de voyager, de s'ouvrir au monde, de voir autre chose. Et comme on dit, le voyage forme la jeunesse. Donc, je pense que c'est aussi pour Simben de montrer ce désir de la jeunesse, de voyager, mais pas forcément pour aller manger le pain des Français ou aller boire la de je ne sais qui. On pourra parler aussi de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Vaste combat. Je parle de l'actualité. Alors, je reviens à votre. Lorsque en fait, vous rencontrez Simben et que vous participez à ce film, à ce tournage, vous revenez des États-Unis et vous le rencontrez et ensuite vous allez faire un mémoire sur lui. Donc, ce désir de cinéma était antérieur ou bien c'est concrétisé au moment du tournage, au moment de la rencontre avec Simben. Comment ça s'est passé ? En plus, vous m'avez dit que vous réserviez ce récit-là à notre... Je ne sais rien. Vous m'avez dit que je le raconterai uniquement ce soir. Oui, vous m'avez posé la question. Et oui.
Oui, je rentrais des États-Unis. J'avais ce désir-là de faire des études cinématographiques. En fait, j'ai toujours été intéressée par les lettres, par la critique cinématographique, tout ce qui tourne autour de l'esthétique théâtrale, cinématographique, etc. J'étais très intéressée par ce qui se passe devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Et donc, je préparais un mémoire de maîtrise sur les films de Saint-Ben Ousmane, qui s'intitulait « L'engagement dans le cinéma de Saint-Ben ». Et je pense que j'ai eu un coup de chance, hasard ou pas. Pendant que je préparais ce mémoire de maîtrise, Saint-Ben préparait le tournage de Fat Kiné. J'ai eu vent de ça et je suis allée le voir. Parce que voilà, je voulais voir comment il fabriquait son cinéma. Je me suis dit, ben, ça tombe bien, je ne vais pas me contenter des articles et des critiques de cinéma, je vais pouvoir le voir en action. Donc je suis venue, je suis arrivée, il était dans son bureau du plateau, et il y avait une cour en fait face à son bureau, et quand je suis arrivée, il y avait plein de monde. Et moi, j'avais l'espoir de pouvoir lui parler en tête-à-tête, lui expliquer mon projet, ce que je faisais. Et il m'a dit de parler devant tout le monde. Donc, j'étais d'autant plus intimidée qu'il y avait Ndiaye Doss, un acteur formidable, qui avait joué le rôle du féticheur dans Hala, qui a joué le rôle du héros dans Gelawar. Voilà, il a incarné Gelawar dans ce film éponyme. Et donc, j'étais assez intimidée, je lui ai expliqué ce que je faisais du théâtre et que s'il y avait un petit rôle, j'étais preneuse. Et j'étais tellement motivée que je lui ai même dit que pour être sur son plateau, j'étais prête à vider des cendriers parce que j'avais lu dans des critiques de cinéma qu'il y avait parmi l'équipe de tournage quelqu'un qui pouvait être chargé de vider les cendriers. Voilà, donc ça m'est passé par la tête, je l'ai sorti comme ça. Il m'a dit qu'il allait réfléchir. Je suis partie et quelques jours après, sa secrétaire m'a appelée. Et pour me fixer un rendez-vous avec Saint-Ben. Donc, quand je suis allée le voir, il m'a demandé si ce rôle m'intéressait. Donc, bien sûr que oui. je ne m'y attendais pas parce que le rôle avait été déjà distribué. Par une, voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il ne s'est pas entendu avec l'actrice. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il me proposait ce rôle. Et après, il m'a regardé avec sa pipe, il m'a scruté en me disant tu as une bonne bouille. Et je ne savais pas ce que c'était. Je trouvais le mot bouille bizarre. Ça me faisait penser à de la bouillie, à de la ratatouille. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, une bonne bouille. Il m'a dit une belle gueule, pratiquement en criant. Et voilà, bref, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur son plateau. Bon, merci beaucoup de ce récit et on le déploiera plus tard parce que par ailleurs vous avez aussi occupé un autre rôle sur le plateau, donc non pas en tant qu'actrice mais aussi photographe de plateau, donc là aussi on y reviendra malgré le peu de temps dont on dispose. Alors, peut-être pour les personnes qui ne sont pas forcément très familières du travail de Saint-Ben, et en même temps, je crois qu'il est toujours important de toujours reconfigurer l'approche la lecture ou l'analyse d'un film dans une filmographie plus large, d'autant plus qu'il y a véritablement une trajectoire dans l'œuvre de Saint-Ben, notamment avec entre guillemets, des thématiques récurrentes, des objets ou des horizons. Qu'on peut qualifier de militant, enfin je préférerais utiliser le terme de politique. Et j'aimerais bien, Bachir, que vous reveniez sur... donc là aussi, on est face à un homme qui est désormais assez âgé, qui a 78 ans, et qui s'empare de cette idée de protagoniste, d'héroïne féminine, et qui veut dédier trois films. Donc c'est important de le dire, Fat Kiné était... projeté comme un film appartenant à une trilogie,
Comment est-ce que vous lisez cette trajectoire-là qui aboutit, après s'être emparé d'autres sujets, la religion, Tiaroy par exemple, et d'arriver comme ça, à ce moment-là, et de sa vie, et peut-être de l'histoire du Sénégal, à ces héroïnes féminines? Je crois que c'est effectivement, c'est important de rappeler, comme vous l'avez fait, que c'est l'avant-dernier long-métrage qu'il fait, qu'il a 78 ans et que d'une certaine manière, il a le sentiment qu'il faut en quelque sorte arriver à l'expression la plus pure d'un militantisme qui a été le sien tout au long d'un certain nombre de films. Fat Kiné, c'est au fond l'expression peut-être la plus pure de ce que je pourrais appeler, d'un mot sans prendre trop de précautions, le féminisme, le combat féministe de Sem Ben Ousmane, qui est déjà présent dans beaucoup de films, qui est présent dans Tchédo, qui est présent dans pratiquement tous les films d'ailleurs de Sem Ben Ousmane, et qui est présent également dans Molade. L'idée de ces femmes qui vont prendre en main leur destin propre et puis aussi d'une certaine façon le destin du continent, et qui vont se porter à la tête du combat, c'est une idée qui est très présente dans la littérature de Sem Ben, dans ses livres aussi. Les femmes jouent un rôle absolument extraordinaire dans, par exemple, Des bouts de bois de Dieu, son roman le plus connu. Et je crois que Fat Kiné, à l'âge où il a fait ce film et dans les conditions dans lesquelles il a fait ce film, c'était une manière pour lui de faire le point de ce que pouvait être un féminisme africain au Sénégal, dans un pays à majorité musulmane, à notre époque, c'est-à-dire au tournant du millénaire. Je crois que c'était une manière pour lui, effectivement, de faire le point. Et sur ce plan-là, le thème de la religion est encore présent, de manière moins affirmé que dans d'autres films, mais ce n'est pas un hasard si les deux pères de Abi et de Dip sont tous les deux musulmans ou sont censés l'être, parce qu'il y a une dénonciation permanente de l'hypocrisie, et que Jean, qui va probablement être le mari, en tout cas il est l'amant, il est le promis, il est le fiancé à la fin du film, et lui, chrétien. Il y a là encore aussi un autre des messages que l'on retrouve dans le cinéma de Saint-Bouen. Bref, à bien des égards, c'est vrai que ce film est une espèce de résumé du militantisme de Saint-Bouen. Mariama disait qu'elle avait fait son mémoire sur l'engagement. Je ne me souvenais plus du titre qui était le sien, mais effectivement sur l'engagement de Saint-Bouen, et un des engagements les plus constants de Sem Ben était effectivement celui-là, en même temps qu'il salue d'ailleurs dans ce film, on a l'impression qu'il a voulu, avec l'art consommé qui était le sien, mettre plusieurs messages à la fois dans ce film. Une chose à laquelle je n'ai fait attention qu'en revoyant le film, à l'époque quand je l'avais vu une première fois, je n'avais pas fait très attention, vous savez les photos qui ornent la maison de Fat Kiné, avec la photo en particulier de Mandela, de Kuma. Donc ce film est aussi une manière pour Sem Ben de rendre hommage à des personnalités africaines qui étaient ses héros. Et voilà, c'est la raison pour laquelle probablement ce film fait partie de ces héritages. C'est vraiment une sorte de microcosme ou de résumé de thèmes qui parcourent toute son œuvre. Mariama, je vais vous poser une question un petit peu proche, mais à la Mariama d'aujourd'hui, qui analyse rétrospectivement donc Fat Kiné dans l'œuvre de Ousmane Sembène, et à la Mariama de l'an 2000, qui arrive sur le set avec aussi, déjà, donc évidemment, une connaissance de l'œuvre de Sem Ben Ousmane, mais aussi, j'imagine, des attentes par rapport à son personnage de jeune femme incarnant la nouvelle génération. Voilà.
Des jeunes femmes incarnant cette nouvelle génération. Je ne me sentais pas incarnée. Une nouvelle génération, je pense que j'étais toute à mes rêves de cinéma, même si, oui, d'une certaine façon, moi, peut-être bien. Mais quand je suis arrivée dans ce tournage, j'ai tout de suite senti, justement, parce que je connaissais déjà Simbel Ousmane de nom depuis que j'étais petite, parce que mes parents allaient au cinéma et le lendemain, ils parlaient des films de Simbel et je sentais que c'était quelque chose d'attendu, un film de Simbel Ousmane. J'avais découvert ses romans, Les bouts de bois de Dieu, Le docker noir, Au pays mon beau peuple, dans la bibliothèque familiale. Et il y avait ce Simbel qui était comme un mythe pour moi. Et d'ailleurs, j'allais lui consacrer des années plus tard un travail universitaire. Donc, quand je suis arrivée sur ce tournage, je me suis dit, je n'ai pas envie d'être écrasée par le mythe. Je ne veux pas que ma personnalité, je ne veux pas sentir ce mythe comme une chape de plomb sur ma personnalité ou bien du plomb sur les ailes de l'actrice. Voilà, donc tout de suite j'ai senti qu'il fallait que je mette une certaine distance pour pouvoir être moi-même, mais aussi pour pouvoir jouer en tant qu'actrice. Et Simbel, il a un sacré caractère, quoi. On le sait. Il se comporte comme un commandant en chef sur son tournage et peut-être même un peu dans la vie. Et donc, moi, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou pas, dans le scénario, il y avait des passages des dialogues où je trouvais que c'était un peu lourd, quoi, dans la formulation. Et donc, il avait cette phrase qu'il sortait à tout le monde, « Je te dispense de penser ». Et ben moi, je n'étais pas d'accord du tout. Et donc, petit à petit, on a repris certains passages, en tout cas, qui me concernaient. Et j'ai pu, comme ça, glisser aussi des idées par rapport à mon jeu qu'il a accepté. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, je suis arrivée sur ce tournage en sentant que, voilà, pour avoir mon oxygène à moi, il fallait, tout en jouant avec humour, avec lui, parfois en résistant de façon catégorique pour que les choses se passent bien. Et au final, ça s'est bien passé. Et rétrospectivement, lorsque vous revoyez ce film aujourd'hui, comment est-ce que quelle est votre perception, quelle est votre analyse de ces trois personnages de femmes qui sont extrêmement caractérisés avec des nuances que moi-même je suis pas en mesure de saisir, mais en termes de langue, en termes de posture, en termes de costume, en termes c'est très très caractérisé ces trois femmes. Comment est-ce que vous les interprétez entre guillemets aujourd'hui? Ma question va toujours à Mariama, mais je serais... Oui. Déjà, le film s'est fait en français et en wolof. Voilà. Et je n'ai pas eu le sentiment dans ce film qu'il y avait cette diglossie, cette façon de marquer la classe à travers la langue. J'ai l'impression que dans ce film, le français se parlait naturellement, était parlé naturellement par les enfants et par Fatkiné, alors que pour la grand-mère, pour mamie, qui s'exprime tout le temps en wolof, à un moment donné, les enfants parlent avec leur mère et elle dit à Adèle, je ne fais pas partie, je me sens exclu de la conversation. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce travail sur la langue qui m'a paru davantage comme une question de génération que comme un marqueur de classe, comme on a pu le voir dans la plupart de ces films. Et moi, Fatkiné, je vois ça comme une continuité de son œuvre. J'y vois vraiment les mêmes thèmes, le même militantisme,
Tout à l'heure, Souleymane Bachir Ghen parlait du féminisme de Saint-Ben. Je pense qu'on peut parler du féminisme de Saint-Ben sans trop prendre de risques. Mais je crois aussi qu'il a un amour profond et un respect profond de la femme. Il aime d'ailleurs à rappeler qu'il a été éduqué par ses deux grands-mères. Et je pense qu'à partir de là, il a développé un respect pour les femmes, et il sait à combien ces femmes triment, que vraiment c'est grâce à elles que l'Afrique tient. J'ai le sentiment que Mami représente un peu cette tradition africaine. Avec une figure de femme plus soumise, voilà, parce qu'elle est dans un ménage polygame qu'elle accepte. Elle s'attend à ce que Kiné respecte son beau-père, son mari, qu'elle ne fume surtout pas dans la maison quand son mari est là, et même dans la façon de s'habiller aussi, voilà, elle a un voile sur la tête, etc. Kiné s'habille de façon plus moderne, mais il y a un clin d'œil qui est fait quand même à la tradition, même si elle met des tenues africaines, il y a un maquillage traditionnel avec ses lèvres noircies, mais à côté de ça, effectivement, elle fume, elle a une chaînette autour des chevilles, et il y a Fat Kiné et Dib, dont Mamie dit que ce sont les enfants de la télévision. Voilà, qu'ils ont été éduqués par la télévision. Je suppose que si c'était aujourd'hui, elle aurait dit « vous êtes les enfants des réseaux sociaux ». Donc, voilà, qui sont plus ouverts sur le monde et peut-être qui ont d'autres aspirations. Bachir, est-ce que vous souhaiteriez rebondir aussi ou ajouter des pensées, des réflexions sur ces trois personnages de femmes ? Oui, non, je crois que Mariama a tout dit. Il est important effectivement de noter que ce sont trois femmes qui sont toutes... Alors, Mami Pouille est intéressante parce que Mami Pouille, au fond, c'est elle qui va souffrir de ce qui est censé avoir été la grande honte de la famille lorsque Fat Kiné, élève en classe de terminale, tombe enceinte de son professeur de philosophie et est obligée d'abandonner ses études. D'abord, elle la défend, elle défend sa fille physiquement, ce qui lui vaut d'avoir cet accident, d'avoir le dos brûlé. Et dans tous les films, on la voit effectivement avoir ce maintien très, très, très raide quand elle parle. Et en plus, c'est à elle que le père de Fat Kiné reproche, comme si elle était responsable de ce que sa fille a fait. Et donc, son mariage va en souffrir, elle va divorcer, elle va être répudiée, elle est répudiée à cause de cela. Et d'une certaine manière, sa fille, Fat Kiné, va représenter sa revanche, parce que pendant l'enfance de Fat Kiné, on apprend qu'elles ont été obligées d'habiter dans la maison où elles ont souffert un peu des demi-sœurs avant que la Fat Kiné réussisse à sa manière en étant gérante de cette station essence Total. Et donc, elle est très heureuse d'être dans la maison de sa fille, même si elle s'est remariée par la suite. Et d'ailleurs, c'est sa fille qui l'a remariée. Et l'histoire se répète d'une certaine façon parce que la Fat Kiné elle-même a le sentiment d'avoir dû renoncer à ses propres rêves. Alors, le rêve de Mami Pouille était un rêve tout à fait traditionnel. Et son grand malheur, c'est de n'avoir pas été la veuve de son mari mort parce qu'elle avait été déjà répudiée. Donc, quand elle dit qu'elle n'a pas pu véritablement être sa veuve, le mot qu'elle utilise en Wolof est très fort. Effectivement, c'est l'accomplissement d'une femme dont le mari est mort que d'être sa veuve, et tout le monde vient vous féliciter un peu pour cela en disant « vous avez bien été une excellente épouse pour votre femme, etc. » Donc, il y a quelque chose sur le plan traditionnel qui a été un grand échec, le grand échec de sa vie. Elle rattrape cela grâce à Fat Kiné. D'une certaine manière, c'est la même chose qui se répète avec Fat Kiné, parce qu'elle se projette aussi sur ses enfants
Abiy et Djibril, Djib, et les deux lui rapportent le diplôme qu'elle n'a pas pu avoir, qui est le baccalauréat. Mais à la différence de Mamie, par exemple, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une femme qui va simplement rester dans ce sentiment d'échec et ne vivre qu'à travers la génération qui va venir. Elle prend en main sa propre vie, prend en main sa propre sexualité. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce film est un film très osé, y compris dans le Sénégal d'aujourd'hui, pour ce qui est de la manière dont Fat Kiné et ses deux autres amis, les trois femmes, les trois amis de toujours, parlent des hommes d'une part, parlent de leur propre sexualité, de la manière dont elles assument leur propre sexualité, etc. Et Sembène est connu effectivement pour mettre les pieds dans le plat et dire les choses qui fâchent avec le langage qui peut fâcher également. Sur ce plan-là, c'est un des thèmes aussi de son œuvre, contre l'hypocrisie sociale. Ça, c'est un thème qui revient très souvent, la dénonciation par Sembène de l'hypocrisie sociale, de ceux qui prétendent parler religion tout en ayant des comportements qui sont totalement contraires à ce que la religion leur commande. J'ai lu ici ou là d'ailleurs que Sembène était un marxiste, qu'il était hostile aux religions en général et hostile en particulier à l'islam. Ce n'est pas le cas. Quand on le lit attentivement dans ses œuvres ou qu'on regarde son cinéma, il est moins critique à l'égard de la religion que de l'hypocrisie qui entoure la pratique de la religion. Il y a, nous, Mariam et moi-même, venons de parler de notre amour de ce livre magnifique de Sembène Ousmane que sont les bouts de bois de Dieu. Il y a une page sublime dans les bouts de bois de Dieu de quelqu'un qui est emprisonné, qui est dans une prison avec des fils de fer barbelés, à qui on interdit de faire la prière à l'heure de la prière, qui en musulman force les choses et se met à prier lorsqu'il est projeté sur les fils de fer barbelés. Et là, on peut opposer cela à d'autres scènes où justement les marabouts bien établis, tous ceux qui semblent être les gestionnaires et de la religion, s'avèrent être les pires hypocrites qui soient. C'est donc l'hypocrisie que dénonce Sembène, et pour la foi du charbonnier, la foi des petites gens, dirais-je, il avait le plus grand respect. Mais dans le cas d'espèce, ici, autour de Fat Kiné, c'est l'hypocrisie sociale qu'il dénonce, et la meilleure manière pour lui de dénoncer cette hypocrisie sociale, c'est de faire de Fat Kiné et de ses amis les femmes libérées qu'elles sont. Troisième génération, alors là, Abiy, quand elle fait sa déclaration tonitruante qui choque jusqu'à sa mère, d'ailleurs, c'est la promesse de ce que vont devenir les jeunes de la génération des réseaux sociaux. Alors, Mariama, à mon échelle, ces scènes que donc Souleymane Bachir Diagne vient d'évoquer, ces scènes de Kiné et ses copines, enfin ces scènes de femmes entre elles, m'ont particulièrement frappée et beaucoup plu dans le film. Il y a deux moments où c'est même pas forcément une question de langage cru, c'est qu'effectivement c'est assez explicite, il y a de la poésie aussi, mais on parle de polygamie, de sexualité, de plaisir, de protection contre le VIH et même de Viagra. Alors, c'est des scènes qui sont très, très savoureuses, où en plus, enfin, prend le temps, hein, ce sont des dialogues qui sont longs, ça y revient, il y a deux occurrences dans le film. Alors, Abiy, c'est intéressant, hein, ça, je voudrais bien vous entendre là-dessus, et sur ces, voilà, sur ces dialogues aussi autour du thème de la sexualité et du plaisir. Abiy, elle est parlée. Au moment où il est dit qu'elle a déjà eu des relations sexuelles, c'est son frère qui le dit. C'est son frère. C'est son frère qui le révèle et l'assume complètement. J'ai eu beaucoup de mal avec
avec cette scène, mais ça se traduisait par un fou rire qui cachait un peu une gêne. Parce que chaque fois qu'on répétait cette scène, j'éclatais de rire, surtout que quand je recevais la réplique de ma mère en plein visage, là je pouffais de rire à chaque fois, et on me disait tu verras, le jour où on va tourner, quand les projecteurs seront allumés, tu n'auras plus envie de rire. Et effectivement, après je l'ai joué normalement sans rire, mais je me suis quand même demandé, par rapport à ce que vous évoquez, je me suis demandé, est-ce que cela n'existe pas dans toutes les sociétés, finalement? Est-ce que aujourd'hui, si on allait en Iran ou en Arabie Saoudite, est-ce que quand des femmes se retrouvent toutes seules, est-ce qu'elles n'ont pas des histoires croustillantes? Est-ce qu'elles ne se passent pas des trucs et astuces autour des hommes? Je pense que c'est quelque chose de c'est un truc de femme, quoi, qu'on peut trouver dans toutes les sociétés. Et peut-être que la femme Wolof est particulièrement coquine. Et en tout cas, moi, il y a une scène qui m'a beaucoup plu. C'est pendant la fête organisée par les enfants, justement quand cette femme parle de ses aventures au lit avec son mari qui ne voulait pas mettre de préservatif, etc. Et que Deep arrive en leur demandant, mais pourquoi vous riez? Et qu'elles répondent, c'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas te dire pourquoi on rigole. Je trouve que c'est à la fois une scène réaliste et savoureuse, et qu'on peut trouver dans toutes les sociétés. Cet enfant qui a envie de percer ce mystère du rire des adultes et qui sait que voilà, il y a quelque chose là de louche entre guillemets, mais il n'y aura pas accès. Je pense que c'est une des choses les mieux partagées. Mais ce qui est intéressant, Souleymane Bachir Diagne l'a souligné, cette volonté de choquer de Saint-Ben, mais pas choquer pour choquer. Je pense qu'il c'est clair dans sa tête ce qu'il veut construire. C'est en résonance avec son militantisme, et chaque fois ce désir de renverser les choses, mais pour questionner. Il disait lui-même qu'il avait envie de faire un cinéma comme on fait une école du soir, questionner. Parce que Abby, quand même, quand elle dit qu'elle est plus vierge, etc., ça pose la question de la pureté par rapport au corps de la femme. Cette pureté, on la retrouve dans Moladé, avec cette figure de femme qu'on qualifie de Bilakoro, qui est une insulte et qui renvoie à une forme d'impureté. La femme qui n'est pas excisée serait une femme impure. Et j'ai le sentiment qu'il dresse comme ça, qu'il renverse les choses. Oui, Abby est une non-pucelle. Et, je ne sais pas si c'est moche de dire non-pucelle, mais bon. N'est plus pucelle, mais c'est assumé. Il y a la figure de la Bilakoro. Oui, d'accord, vous dites qu'elle est impure, mais où se situe l'impureté? C'est une vraie question. Est-ce que le fait de brimer le corps des femmes, est-ce que la corruption n'est pas pire? Il y a toujours ce renversement. Où se situe la vraie dignité? Et voilà, Fatkiné, ce film, pose aussi cette question qui se pose tout au long de ses œuvres. Où se situe la vraie dignité? Est-ce que c'est le fait que Fatkiné ait été deux fois fille mère? Elle a travaillé dur, elle assume ses responsabilités. Qu'est-ce qu'est être un père? Qu'est-ce qu'est être un père? Est-ce que c'est seulement être un géniteur? Qu'est-ce qui fait qu'on mérite le respect, etc.? Je pense qu'il choque, mais il pose aussi des questions qui méritent qu'on y réfléchisse. Alors, cette réflexion autour de la pureté, cette forme aussi de, entre guillemets, de revanche ou de besoin de reconnaissance a posteriori, ne se trouve pas seulement dans le cinéma de Saint-Ben. Alors, dans un genre extrêmement différent, mais cette trajectoire-là,
La question aussi du retour, on la retrouve dans Yen, en fait, donc le montrage de Djibril Diop-Mambéty, avec le personnage, elle s'appelle Lingerie Ramatou, qui revient et qui a elle aussi eu à subir le poids social de ce que c'est, de ce qu'est une grossesse hors mariage, etc. Et peut-être, Bachir, vous pourriez peut-être nous élargir, enfin, nous éclairer sur cette figure de la femme qui a été lésée par un certain ensemble de codes, de normes qui pèsent sur les femmes et qui revient, en fait, et qui fait plus ou moins elle-même justice au-delà donc, de l'œuvre de Sandben, hein, si c'est un trope ou une figure d'un cinéma ouest-africain de l'époque de Sandben ou en tout cas des années 80, dans le cas de Diop-Mambéty, des années 90. Et je crois qu'il y a des figures aussi antérieures, mais voilà. Non, c'est sûr que ce trope revient et Djibril Diop-Mambéty aussi bien que Ousmane Sembène partagent effectivement cette idée que les femmes africaines, et Mariama le disait tout à l'heure, sont l'avenir de ce continent. Je dirais même que pour le cas de Sembène Ousmane, j'ai le sentiment, Mariam a parlé tout à l'heure du fait qu'il a été élevé par ses grands-mères, et il est également de la Casamance. Moi, j'ai grandi en Casamance, et c'est un milieu en particulier pour la culture du riz où les femmes sont les principales actrices du développement. Le travail des femmes est très important. Et aussi bien Ousmane Sembène que Djibril Diop-Mambéty, je crois, ont mis au centre de leurs œuvres cette idée de la victoire des femmes signifiant aussi la victoire du continent. Ce n'est pas simplement le combat féministe qui les oppose aux hommes ou à un certain nombre de traditions qui seraient des traditions oppressives, c'est également un combat pour le continent. Et de ce point de vue, considérer que la femme dans son combat est le symbole général de l'Afrique dans son combat, c'est un trope que l'on trouve dans la littérature et dans le cinéma ouest-africain relativement souvent. Je suis d'accord que de ce point de vue-là, le film Fat Kiné est une espèce de synecdoque pour cette idée-là. Alors, le film Fat Kiné se termine par une très longue séquence de fêtes. Alors, c'est toujours très difficile à mettre en scène. Il y a beaucoup de figurants qui étaient d'ailleurs de votre âge à l'époque. C'est une fête de jeunes, on fête le bac. Et donc, ce sont deux questions à l'attention de Mariama. La première, c'est, puisque donc, vous étiez photographe de plateau, donc être photographe de plateau, ça implique que lorsqu'on ne joue pas soi-même, on soit en permanence sur le set. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez non seulement de ce que vous avez... il ne s'agit pas seulement de documenter, il s'agit aussi de faire des choix. Donc, vous étiez une excellente connaisseuse et analyste du film de Sandben. Donc, évidemment, vous photographiez, je suppose, aussi les choses qui vous paraissaient prégnantes, intéressantes sur le set. Et vous en avez donc encore des tirages. Donc, ça, c'est une première chose. Votre témoignage de la manière dont vous avez, donc, c'est pas seulement le grand maître dont Sandben travaillait, mais aussi dont vous tous, sur le tournage, vous avez travaillé. Et la deuxième question, qui sera à vous deux, c'est qu'est-ce qui se fêtait exactement? Qu'est-ce qui se célébrait dans cette fête? Voilà, à différents niveaux. Je commence. c'est de façon, j'ai envie de dire, tout à fait rocambolesque que je me suis retrouvée photographe sur ce plateau. Parce que Sandben avait trouvé un très bon photographe du nom de Touré Mandimori, je pense que c'était sa signature d'artiste, sur ce plateau. Ils ne se sont pas entendus, ils se sont engueulés, je pense même qu'il lui a filé un coup de poing. Bref, ça s'est très mal passé. Et comme à l'époque je faisais de la photo, je suis venue tranquillement m'asseoir à côté de lui.
Et je lui ai dit, puisque je l'appelais tonton et il m'appelait ma fille, je lui ai dit, tu sais, tonton, quand je ne tourne pas, je pourrais faire des photos sur le plateau. Donc, il m'a dit non. Voilà. Je lui ai dit, c'est dommage parce que j'ai un très bon appareil photo. J'aurais pu faire les photos. Donc, il a réfléchi et je l'ai entendu tout à coup dire Del. Donc, Del, c'est Delgado qui était son assistant. Il a dit, demain, tu apportes de la pellicule pour Mariama et va faire des photos de plateau. Voilà. Et c'est comme ça donc que je me suis retrouvée à côté du chef opérateur à prendre des photos, voilà, des répétitions, etc. Et l'autre question, c'était... C'était autour de la fête, de cette séquence de fête. De cette fête. Et je lève juste le doigt à l'attention de nos auditrices et nos auditeurs. Il y a cette plateforme assez, je crois, simple sur Zoom où vous pouvez poser des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. On n'y est pas encore complètement, mais on va ouvrir, on va passer le micro assez rapidement. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Les intervenants pourront y répondre dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes. Donc n'hésitez pas. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, la fête, voilà. Cette fête, c'est le baccalauréat qui est fêté, mais je pense qu'il y a, chez Saint-Ben, une sacralisation du diplôme. Et moi, il me disait, pousse tes études aussi loin que tu peux. Et voilà, cela, ça vient aussi de son histoire. Il connaît la valeur du diplôme et il sait ce que ça peut coûter de ne pas avoir ses diplômes. Donc, voilà, dans Fab Kiné, on voit cette sacralisation du diplôme qui est encadré, etc., qui mérite d'être fêtée. Mais cette fête, je l'ai vue pour Saint-Ben comme aussi un prétexte à cracher certaines vérités à travers la bouche de Deep, voilà, sur les pères des nations africaines, etc., de faire tout un discours, de sortir tout un discours militant encore une fois. Cela m'a paru, vous parliez tout à l'heure de revanche, c'est une fête parce que aussi il y a ce goût de cette revanche où on humilie les pères indignes. Et le fait d'humilier, se venger à travers l'humiliation, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi dans Hala. Là, il ne s'agissait pas de cracher ses vérités. Il s'agissait véritablement de crachat sur le corps de cet homme qui représentait un peu la dictature bourgeoise. Voilà, le corps d'Abdelkader Bey. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis qu'on retrouve tout au long de l'œuvre de Saint-Ben. Et pareil dans Geloa, j'ai le sentiment que cette nourriture qui est déversée pour dire non à l'aide alimentaire, ce sont des jeunes, c'est comme le corps d'un pays qui vomit cette aide. Voilà. Et on parlait de purification tout à l'heure, c'est la purification à la Saint-Ben. Il ne s'agit pas d'une purification qui concerne uniquement le corps de la femme ou sous prétexte de la garder pure. Il y a tout un système de castration qui se met en œuvre. Voilà, là, il s'agit véritablement de purifier le pays, de purifier le système de la corruption, etc. En vous écoutant, il me vient une lecture qui ne m'était pas apparue qui m'était pas apparue en voyant le film. En fait, la maison, la villa, serait le Sénégal, dont on chasse en fait de manière très ritualisée, avec à la fin les usurpateurs en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter là-dessus et développer, Bachir, sur cette notion de ces pères qui se convient, qui ne sont pas conviés, qui se font les vérités sont dites en même temps par le fils,
pas par la fille. C'est vraiment une scène qui est hautement, enfin c'est une séquence qui est longue et qui est vraiment hautement symbolique. Tout à fait, et vous avez raison de souligner son importance. C'est comme dans les romans de Agatha Christie. On attend le moment où tout le monde va être réuni et où la vérité va être dite par Hercule Poirot. Mais ça suppose qu'on puisse convoquer tout le monde et tous les personnages, tous les caractères sont réunis. Donc, cette scène de la boum ou de l'arrosage, parce que quand la mère dit « je vais vous organiser une boum », sa fille la reprend en lui disant « maintenant, on ne dit plus boum, on dit arrosage ». Cette scène de l'arrosage était nécessaire parce que c'était la seule scène possible pour réunir tout le monde. On ne voit pas d'autres occasions où les deux pères et même le futur fiancé, l'amant, se retrouveraient sinon pour célébrer la réussite au baccalauréat des deux enfants, Djibril et Abby. Et donc, c'était une scène absolument nécessaire. Et ce que vous venez de dire toutes les deux est profondément vrai, parce que si on reprend le discours de Djibril, ça va au-delà de la simple révolte d'un fils contre son père qui a abandonné sa mère. Et ce qu'il dit là est un discours politique doublement. D'abord, c'est un discours contre une certaine tradition de seniorité, parce qu'on lui dit c'est ton père, donc il faut lui demander pardon, il faut même te mettre à genoux pour lui demander pardon, etc. Et ce que dit Djibril, c'est que cette seniorité fonctionne ou fonctionnait si il n'y avait pas une hypocrisie sociale à la base. Si les pères se comportent véritablement comme des pères et tiennent quand ils tiennent un certain langage, ils se comportent en fonction également de ce langage, à ce moment-là, le principe vaut. S'ils eux-mêmes ont trahi ce principe, alors dès lors, il ne vaut plus. Donc, c'est une sorte de révolte générationnelle ici contre une tradition de seniorité qui est une tradition très présente encore dans les sociétés africaines. Mais au-delà de cela, quand il dénonce cette hypocrisie, il donne une tournure politique à sa révolte en disant, en gros, en faisant des pères, des deux pères indignes, les représentants de ceux qui ont profité de l'indépendance, de ceux qui ont dirigé des pays africains après les indépendances, en laissant s'installer la corruption, l'hypocrisie, etc. Et donc, c'est la manière dont cette scène finale fonctionne, où les vérités vont sortir, vont être dites, vont être hurlées même, et c'est la raison pour laquelle Hercule Poirot m'est venu à l'esprit. Et d'ailleurs, un autre film aussi, où il y a cette longue scène qui est La Boum, ce film magnifique qui s'appelle justement La Boum avec Sophie Marceau, où la Boum elle-même aussi est longuement filmée et joue un rôle très, très important. Oui, film vraiment au Panthéon avec lequel j'ai grandi, voilà. Et moi, j'ai passé mon bac en 2000 aussi, voilà, c'est vraiment un détail. Et donc, ma dernière question était celle-là, en fait, concernait la fête, qui est vraiment pour moi, voilà, aussi un discours d'espoir, en fait, enfin, à la fois de justice et d'espoir, voilà, pour des renouveaux du pays. Je vois avec beaucoup de joie qu'il y a déjà deux questions qui se profilent. Est-ce qu'il y aurait un point important sur lequel vous voudriez conclure, peut-être notamment Mariama, autour de votre expérience de tournage et d'expérience avec Sambène, mais aussi peut-être, enfin en fait je vais le souffler, mais c'est vrai que vous avez fait un travail universitaire autour de Sambène, vous avez aussi des archives, tout cela n'a pas été publié, donc on parlait notamment de l'accès tout nouveau aux archives de Viera il y a une semaine ici, c'est vrai que c'est toujours évidemment ça ouvre des possibilités de recherche et voilà, peut-être que vous voudriez nous en dire un mot de ces matériaux et de cette recherche originale que vous avez menée, qui est encore là, et vous êtes éditrice aussi par ailleurs, donc c'est un appel du pied.
Ben, on verra bien avec un peu de temps et beaucoup de volonté si j'arriverai à sortir un livre sur Saint Ben Ousmane. Mais s'il faut revenir sur un point, quelque chose qui me tient à moi, qui me touche particulièrement, ce sont ces handicapés, la figure de l'éclopé qui traverse systématiquement les films de Saint Ben. Et si on devait résumer Saint Ben en un mot, ce serait la dignité. Voilà, la dignité pour la femme, la dignité pour le corps de la femme, la dignité pour les peuples, etc. Et voilà, considérer que cet éclopé, c'est un homme comme un autre. Quand il commet une faute, comme on l'a vu dans Fatkiné, ben, il va en prison. Mais il y a aussi cette autre image, justement, cet handicapé qui sert de coursier et qui refuse l'argent de Fatkiné, qui est d'une grande dignité. Voilà, dans Hala, ce sont ces handicapés qui font la révolution. Et voilà, donc il pose une question intéressante par rapport au handicap. Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il se situe au niveau du corps? Ou est-ce qu'il se situe au niveau du mental? Est-ce que le fait d'être un analphabète dans la société moderne, est-ce que cela ne représente pas le plus gros des handicaps, etc. Si on n'a pas le savoir, si on n'a pas la connaissance, etc. Donc voilà, juste souligner ça. Merci beaucoup. Alors je vais formuler l'une des deux questions qui nous est parvenue. Il y en a d'autres maintenant. Alors la première est la suivante. Je m'interrogeais sur le travail de Fatkiné, qui commence par servir de l'essence avant de diriger l'agence. On peut donc percevoir cela comme un parcours d'émancipation, mais il s'agit d'une station totale, plutôt associée à des pratiques néocolonialistes sur le continent. Comment percevez-vous cette contradiction? Pour moi, je me suis posé une question toute bête. Je me suis dit, mais cette histoire, parce que Saint Ben n'était pas dupe non plus, et si c'était une bête question de sponsor? Parce que pour faire un film, il faut de l'argent. C'est trivial de dire ça. Mais voilà, moi je me souviens que Saint Ben a dit et répété s'il le faut, je coucherai avec le diable pour avoir de quoi faire le cinéma qui me fait envie. Voilà, il portait son cinéma en lui et il voulait accoucher de certaines histoires, peut-être même au prix de certaines douleurs. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a cette station totale, Fatkiné refuse le franc français et refuse les devises américaines. Est-ce que c'est pas une façon de dire, bon, même s'il y a des puissances qui s'imposent à nous, peut-être qu'il y a des façons de ruser pour générer sa propre puissance. Je ne sais pas. Merci Mariama. Est-ce que Souleymane Bachir-Diagne voudrait ajouter un commentaire ou une analyse par rapport à cette fameuse station totale qui, je le précise, est le lieu où Abby précise qu'elle ne veut pas partir à l'étranger, mais qu'elle veut rester étudier à Dakar? D'abord, Mariama a eu raison de rappeler que Total est un des sponsors du film. Dans les remerciements qui viennent à la fin du film, il y a les remerciements habituels à tous ceux qui ont contribué au financement du film, et Total en fait partie. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, d'ailleurs, tiens, une chose intéressante, on a parlé tout à l'heure des langues, du fait que le film est aussi bien en Wolof qu'en français. À un moment donné, quand Abby, en colère contre sa mère, lui sort quelque chose qui la blesse beaucoup en lui disant « Je ne veux pas être gérante d'essencerie ». C'est très intéressant sur le plan de la langue de se rendre compte que le mot « essencerie » est une contribution sénégalaise à la langue française. Le mot « essencerie », en principe, n'existait pas. On disait toujours « station essence »,
et Essencerie a été inscrit dans le dictionnaire de l'Académie française quand Senghor y a été. C'est un des mots créés, apportés par la pratique sénégalaise du français pour enrichir la langue française. Bon, je ferme cette parenthèse très rapidement. Mais de toute façon, la question à se poser est la suivante. S'il était important pour Saint-Ben que son personnage, Fatkiné, soit gérante d'une station essence, d'une essencerie, si ça n'avait pas été Total, ça aurait été Shell. De toute façon, toutes les grandes compagnies pétrolières sont des compagnies, de ce point de vue-là, étrangères, multinationales. Donc, si on décide de ne pas travailler avec telle multinationale, ce sera pour travailler avec telle autre multinationale, et donc ça ne changeait pas grand-chose. Et d'autre part, les pratiques néocolonialistes de Total, c'est plutôt du côté de Elf Gabon qu'on en parle. Dans le cas du Sénégal, qui n'est pas, jusqu'à présent, il va l'être dans un an ou deux, pays producteur de pétrole, ça n'était pas les mêmes choses, puisque les gérants des stations-service sont toujours des locaux, sont précisément des Sénégalais. C'est comme d'ouvrir un magasin ou une brasserie où on fabriquerait Coca-Cola. C'est donc le label que l'on emploie. Et donc, la perception de Total comme l'entreprise néocoloniale, etc., n'était pas celle qu'elle pouvait être aujourd'hui. Par exemple, au Sénégal, où il est question des compagnies qui vont exploiter le pétrole à cette époque-là. Je ne pense pas que quand le film est sorti et que j'ai regardé, j'ai fait particulièrement attention au fait que c'était Total. Aujourd'hui, ça pourrait être le cas, d'ailleurs, parce qu'il y a eu, dans les dernières crises qu'il y a eu au Sénégal, des stations Total ont été attaquées un peu à cause de cela, parce que ces stations étaient censées représenter des intérêts français. Il y avait un sentiment anti-français qui s'était développé à l'occasion de ces manifestations. Mais c'est très actuel de percevoir Total de cette manière-là. Alors, merci beaucoup. Alors, on a encore deux questions et je vais vous les donner d'emblée. Donc, vous allez vous répartir spontanément les réponses. Je vous laisse pleine liberté là-dessus. La première, la deuxième et la suivante. Pourriez-vous nous expliquer un détail plus politique que féministe du film, c'est-à-dire l'envolée du fils, Jib, qui mentionne donc à la fin, peut-être que je cite mal, dit la personne qui pose la question, une fédération des républiques de l'Afrique de l'Ouest. Était-ce une aspiration politique de dirigeants et intellectuels africains progressistes ou une vision utopiste de Samben Ousmane lui-même? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est avec la perte de Samben et Mambéty, quelle relève pour le cinéma sénégalais? Je vais essayer pour la première question et je vais laisser la difficile et le mot de la fin à Mariama. Pour ce qui est de cette fédération, effectivement, et ça rejoint un peu la question que vous m'aviez posée au début sur l'importance des dates et la représentation que les intellectuels de l'âge de Saint-Ben Ousmane avaient du futur de l'Afrique, ont toujours du futur de l'Afrique. Vous savez, une des grandes pertes qui a accompagné les indépendances africaines de 1960, c'était la perte de la fédération, des deux fédérations, pour ce qui est simplement de la colonisation française, des deux fédérations qui étaient l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Vous avez beaucoup d'intellectuels qui ont toujours déploré que les indépendances aient été accordées de manière totalement fragmentée, territoire par territoire, indépendance du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Et donc, l'idée qu'il y a une espèce de péché originel des indépendances, parce que ça a été des indépendances de micro-États et non pas les indépendances de fédérations qui étaient plus viables en termes de démographie, en termes d'économie d'échelle, etc., en termes de développement, ça, c'est un des grands drames de la manière dont la décolonisation s'est passée. La balkanisation de l'Afrique, c'est une expression qui a été popularisée par Senghor. La balkanisation de l'Afrique au moment des indépendances semblait être une sorte de catastrophe qu'il fallait rectifier.
par un engagement pour les États-Unis d'Afrique, passant aussi par la reconstitution probable de ces fédérations-là sur d'autres bases. Et donc, le fait que ces jeunes de l'âge de Djibril aient créé un club qu'ils ont appelé eux-mêmes « Club des utopies et des prospectivistes », l'idée qu'ils s'engagent pour ce qui sera le futur de l'Afrique, au-delà de leur simple réussite personnelle au baccalauréat, etc., en s'engageant dans le combat panafricain, le panafricanisme, était un des grands thèmes également de l'engagement de Sembène Ousmane. C'est normal, c'est l'un des messages forts, en effet, de ce film. Et quand le fils dit à son père qu'il veut justement être président, et que le père lui dit « Ah oui, président d'une société, ou etc. » Il dit « Non, non, président de ce rêve qui n'est pas seulement une utopie, mais une utopie mobilisatrice, si vous voulez, un rêve qu'il faut réaliser de réunification de l'Ouest africain. C'est un message important du film. » Oui, c'est un message important du film. C'est le rêve de tous nos grands écrivains, c'est le rêve de nos intellectuels. Les entretiens que j'ai eus avec Cheikh Hamidou Kan, il n'a eu de cesse de parler de ça, et tout en rappelant aussi le combat de Joseph Kizerbo et du parti politique qu'il avait créé, justement, pour sortir de cette balkanisation-là. De toutes les façons, c'est une évidence que sans l'Union africaine, je ne vois pas comment l'Afrique pourrait s'en sortir. Je pense que tous les intellectuels ne se sont pas contentés de rêver de ça. Tous les intellectuels se sont exprimés là-dessus et l'ont suffisamment souligné. Maintenant, par rapport à la dernière question, la relève, quelle est la relève des jeunes? Je pense qu'ils ont des facilités aujourd'hui que Sembène Ousmane n'avait pas. Notamment par rapport aux moyens de tournage en vidéo, etc. Sembène était contraint de faire du 35 mm ou voilà, tourner avec de la pellicule, c'était assez fastidieux. Maintenant, il ne faudrait pas que cette facilité fasse qu'on dorme sur nos lauriers, quoi. Je veux dire, Sembène, c'est un truisme que de dire qu'il s'est battu pour pouvoir avoir un certain niveau, pouvoir écrire ses livres, pouvoir faire ses films. Ben, faudrait que la jeunesse se cultive et pour pouvoir faire des films aussi beaux que ceux d'Ousmane Sembène. Alors, sur ce chapitre, je me permets d'ajouter une chose, c'est que la relève est assurée et elle est en de bonnes mains. Je vais simplement parler de deux grands cinéastes de ces deux dernières années. Un magnifique film de Alain Gomis qui a félicité, qui a été au seuil des nominations pour les Oscars. Alain Gomis, le film Félicité, est allé jusqu'au moment du dernier choix des films qui seraient présentés aux Oscars en langue étrangère. Et cette année aussi, nous avons de peu raté le coche. Nous avions le magnifique film de Mamadou Dia, qui également était en piste et en course pour les Oscars. Il y a un cinéma sénégalais, pour m'en tenir à lui, à celui du Sénégal, qui est aujourd'hui excellent. Si je prends simplement l'exemple de ces deux grands metteurs en scène qui sont jeunes et qui sont extrêmement prometteurs. J'attends avec impatience les prochains films d'Alain Gomis et de Mamadou Dia, et pour ça j'ai confiance, l'héritage est en de bonnes mains et il ne pourra que fructifier. Si je peux me permettre de pousser un coup de gueule pour la fin, à l'image de Sembène, ce serait vraiment bien qu'il y ait un mécénat africain pour le cinéma africain.
Le centre, donc Alain Gomis est partenaire et cofondateur d'un centre à Dakar de formation, une école de cinéma qui s'appelle le Centre Yenenga. Beaucoup de presse s'en est fait l'écho, heureusement, et il faut vraiment suivre ce que ce lieu et ce centre est en train de produire en termes de jeunes cinémas sénégalais. Et je crois que c'est très, très, voilà, très prometteur. On va s'arrêter là. On a, je crois, débordé un tout petit peu les frontières temporelles de cette soirée. Je voudrais vous remercier infiniment, Mariama Samba Baldé et Souleymane Bachir Diagne, de vos lumières. Voilà, c'était extrêmement précieux et je crois qu'au vu du nombre de participants, c'était un moment partagé. Je vais repasser la parole à Shani Pir qui, je crois, va conclure. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, je tiens à vous remercier tous les trois, Mariama Samba Baldé, Souleymane Bachir Diagne, toujours un plaisir, et Nora Philippe. Merci beaucoup pour cette discussion très, très riche de ce film, si beau. Si pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, je vous rappelle que vous pouvez toujours le voir en ligne en allant sur le site web de la Maison française jusqu'à samedi. Et puis, nous avons apparemment de beaux films sénégalais, de nouveaux cinéastes à voir aussi. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Je vous invite à revenir demain pour une discussion avec Benjamin Stora du rapport qu'il a écrit pour Emmanuel Macron sur la mémoire française de la guerre d'Algérie. Et puis, lundi, nous avons un débat sur une discussion des attaques sur le soi-disant islamo-gauchisme qui n'existe pas, mais on va en parler lundi. Donc, merci beaucoup à tous les trois et à bientôt. Au revoir. Merci.